Et là, on a ce mot logo dans les abouilles, ça veut dire en d'autres termes, on a origine dans les secteur, son père fondateur dans les secteur. Père fondateur dans les secteurs, on a un occultisme et franc-maçonnerie. Alors, si on a dit que l'église Belleza a opéré dans Kinshasa, droit avancer la biseauté, l'église Belleza a opéré en Kinshasa, ce sont des églises qui ont des fondateurs, soit américains, soit asiatiques. On a tous mis ce qu'on a un gourou. Ah, on a ce sont les Hollandais qui ont bien. Oh, comme on a pas mort, on a découvert que le fondateur il était un franc-maçon. Mais ce que l'objectif est l'objectif est non seulement balakisa batuyesu pour que les gens soient sauvés, mais l'objectif est rendre les gens esclaves, les exploiter financièrement et les vendre au diable comme des âmes en contrepartie des richesses au Baroube Sabango. Parce qu'il y a des lobbies. Mais c'est que dernièrement que Tozana. Conseil universel des églises de réveil na quatre branches à franc-maçonnerie. Ils ont la quatre New Age. Enseignement mini basoté à toi, ils ont enseignement New Age. Je crois que pour ne pas abuser de votre le roi tous appelé en volant pour tous à concentrer pour la première illustration, toquer la deuxième illustration. Mesdames, messieurs, moi je vous dis à tout de suite. Mesdames, messieurs, à tous allés dans la commune de Matete. Deuxième illustration en moto, c'est la première illustration à limiter. Ce que l'autre a toi à Siko, tu remis dans la commune de Matete, évangéliste Roger Baka. Tu as une chose quand on a illustration presque pareil. Na auto, tout le monde a quoi? Même pyramide, pyramide, on a du genre auto, tout le monde a de là. Ça veut dire que nous, la de deux, la magie par les codes, des signes, mais des totems des animaux. Aigle de Kawele, aigle royal. Ce sont des éléments de la franc-maçonnerie, ésotérisme. Et ça, c'est un symbole oh, derrière lequel ils cachent des secrets. Seuls les initiés, mais le reste, c'est un peu de temps. Mais le reste, c'est un peu de temps. Mais il y a des si tu veux dénoncer, tant que tu as dit la magie par le code des signes pendant les prédications. La magie part des logos des grands fondateurs des églises de réveil qui sont à la base des groupes religieux tout le monde dans Kinshasa wa oh bah mouvement ça soit yaroko isabatu belé soit yaroko bimisato ngubu banyoka na nzoto soit mais ça fait partie des animaux mon frère, ça fait partie des animaux. Ça y est mon ça crocodile dans notre monde. Il est bien là li parce que Olani onezé bigindu a vu le musara babilo ramiké bimisa lion 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 là yo pasteur là yo mon ami. Voilà pourquoi bien aimé, voilà pourquoi le Congo promo défaite bolanda Congo promo pour ezolo ba vérité avec Congo promo it's not the same. C'est pas pareil. Raf Dendo. Check. Hugues Lacoff, Icoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Lacoff, Icoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes, Boga. Vous allez voir. Il n'a plus Hugues Lacoiffe Icoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues Lacoiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues Lacoiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère Hugues Lacoiffe Icoté, même père, même mère. Chiquicha, chiquicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon
Ig la coiffe Icoté. Quelle beauté. Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. L'agence d'export et d'import Michelou Atlantic Shipping et yey Banaya Canada, Banaya USA, Bomitongi Sali Susuté. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongi Sapenzate. Plus, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1-508-371-6043-USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243-89-551-3038. Michelou Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Papa! Nina! Nina la Zali, agent JB Service. Félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il y a rien en face. Donc, Congo promo. Rafinguindunde. Rafinguindo. Congo promo. Merci, Nada Benafier, na Congo promo. Et ça, sito, il y a number one. Donc, sito, il y a intellectuel. Boss Rafinguindo, en tout cas, na pessive ma bambou. Rafinguindo, le présentateur, la force créative, Congo promo. Congo Boroto, ça n'a pas fini. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Nguindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bicolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Nguindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'encosse net dans le film. Congo Promo, babunda na nango. Raf Nguindo. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes très heureux encore une fois de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette grande émission Code 9, émission socioculturelle. Et dans le cadre de ce nouveau numéro, nous allons aborder un point beaucoup plus religieux, dans le sens que ça fait déjà deux épisodes, si on peut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, c'est le troisième épisode que nous aurons abordé avec un homme de Dieu avec qui nous avons l'habitude de recevoir dans cette émission. Mais aujourd'hui, les points évoluent. Il y a également beaucoup de gens qui nous ont écrit à travers le monde pour le recevoir encore une fois dans cette émission. Et vous savez très bien que nous sommes là pour vous. Nous travaillons pour vous satisfaire de manière optimale. La raison pour laquelle nous sommes encore une fois descendus ici dans la commune de Barombo sur l'avenue Ngungu pour rencontrer l'homme des dieux, l'évangéliste de surcroît, avec qui nous allons aborder quelques points. Mais ici, nous allons faire une descente sur le terrain comme nous vous l'avons promis la fois passée. Grand merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde, mesdames, messieurs, sans qu'il y ait un loba mingi mingi, parce que les lots vraiment, trop qu'il y ait un terrain, sala haute, la Kakibino, c'est-à-dire la grande équipe de Congo Promo. Derrière la caméra, Sadik Bakamana, Ngalamolo, mes professeurs, des élèves, encadreurs de l'autre là. Et on a Zali, en tout cas, merci beaucoup, jeune frère, pour l'efficacité dans le travail. Merci également à notre cordon, mon jeune frère, Timothée Serge Piana. L'homme des Iguidas, merci également à notre number one, M. Rafinguindo, depuis les États-Unis, Big Up Nayo, na Madame et puis Nalibuta Mubimba, et puis à tous nos partenaires, en tout cas à travers le monde. Je vous aime beaucoup. Notre numéro est affiché. La remarque, la suggestion, Nabino, Yezoko Milabis, on a le soutien, Nabino, on en a besoin pour faire évoluer ce travail. Tout au début, comme ça, on a pu merci, Nabino, tout en tout cas, particulièrement à notre partenaire Nyonson. Je vois mon vieux depuis l'Italie, Anto Mokonzi, Motema Dorian Feza,
La parole est Brian Naitali. Grand merci à mes partenaires du côté de la Grande-Bretagne, Joss Chingoma de Liverpool, le patron de la maison de Joseph Kankayere Monel à Kinshasa. Merci également à Pamphile Pembele, toujours à Liverpool, mais également à Blaise Samba Sambalé de Manchester. Merci beaucoup, Nabino 3, mes amis. Merci à mon ami honorable Daniel Bumba, le bulldozer. Merci beaucoup, Nayo. Et ma souhaité payer, welcome, bienvenue à Bébé Nabiso Kenaya, bébé à Sœur Nangaï, Ingrid Mutelo, depuis la ville de Las Palmas, en Espagne. Hein? Maman des deux beaux garçons, les a commis, maman na Kenaya. En tout cas, bien des bonnes choses, Nayo. Félicitations, Nayo. La sister Ingrid Mutelo, on est ensemble. Et puis, Solange Biaï, belle Sœur Nangaï, depuis les États-Unis. Solange Biaï, il y a des bonnes choses, Nayo. Et maman na Joyce, toi-même, tu sais, beaucoup d'amour pour toi et beaucoup d'affection. À tous nos amis à travers le monde, moi je vous aime beaucoup, mesdames, messieurs. Tolanda, parce que Mambaolo Bezali, mon grand frère depuis la Belgique, Mbouyemou qui est ma major, Nazoua qui m'a message, Nazoua qui m'a encouragement, Nazoua et Salim a bien. Tout cela, et puis laissez-moi vous dire à tout de suite. Mesdames, messieurs, Ningé Bolandi annonce Nabiso. Toyambi, encore une fois, pour la énième fois dans cette émission, l'évangéliste Roger Baka, avec qui nous allons nous entretenir pendant une bonne demi-heure, parce qu'il y a vraiment de la matière. On a un Tobandaki, toute une série d'émissions, c'est-à-dire avec comme thème principal, les Alaki Église ou Église de réveil ou secte. C'est-à-dire, il y a un thème principal, mais dans la Katinango, toujours abordé point par point. La première émission, tu as abordé qui d'abord le principe fondamental Nango, origine Nango, et puis la deuxième émission, il y a des thèmes où ils auraient beaucoup plus abordé, notamment le thème de la prospérité. Les autres, c'est toujours la troisième fois, c'est-à-dire toujours la phase pratique, mais du moins, tout on a quand même quelques éléments d'illustration. Et puis après, tu ressens descendre sur le terrain, on a un peu d'éléments parce que tu es limité. Et sous Kakaka Namaloba, c'est-à-dire évangéliste, tu reçois, si tu reposes la question, il y a quoi, il y a des éléments, tu reçois un peu de terrain, la préoccupation, il y a une nuance. Pour réfléchir ensemble, pour y appeler Sabino Biano, à me éclaircir dans le peuple de Dieu. Mesdames, messieurs, d'entrée de jeu, l'évangéliste Roger Baka, tout le monde a dit grâce à Anna. D'abord, yo personnellement, comment vous portez-vous et bonne nuit, l'évangile. Je bénis l'éternel, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. C'est avec beaucoup de modestie et beaucoup de simplicité que je m'en vais vous remercier de retenir vos yeux pour pouvoir comprendre la pensée de l'Éternel au travers de cette tranche que nous faisons souvent avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je me porte bien. Le Seigneur me garde par sa grâce parce que je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Ma mission, c'est de faire sortir des gens des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire le ténèbre de l'ignorance pour les amener vers l'admirable connaissance de Dieu. Pour les ouvrir les yeux en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Donc, il y a des gens qui vivent avec des sectes parmi eux. Plusieurs sont tombés dans l'apostasie, dans l'iniquité. Alors, et non seulement ils s'égarent eux-mêmes, mais ils veulent aussi égarer les autres. Alors, notre rôle, c'est de dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. Montrer au peuple que ceci est la vérité. Ceci n'est pas la vérité. Voilà pourquoi dans le cadre de cette émission, le Seigneur me protège toujours. Il me garde, il me préserve contre vents et marées, afin que je sois toujours utile pour que le peuple de Dieu bénéficie de l'évangile pur. Parce que nous sommes arrivés au temps où la prophétie dit, j'enverrai une disette, une famine. Mais ça ne sera pas la disette et la famine du pain ou de la nourriture. Mais ce sera la disette d'écouter les véritables paroles de l'Éternel. Voilà pourquoi, la question à eux, je dis merci beaucoup, je me porte bien. Et l'évangile de la dénonciation en accord avec Éphésiens chapitre 5, le verset 11 au verset 12, je paraphrase. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais dénoncez-les, condamnez-le, car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en occulte. Ou en secret. Donc on va continuer encore aujourd'hui. Merci beaucoup évangéliste Roger Baka. Nengi Olandi introduction nangaye, c'est-à-dire tout banda qui na ba principe nango, na ba origine nango, tout yé na ba thème évoqué, l'autre toujours côté la phase pratique. Mais est-ce que na bande ko peut-être besoin qui opportunité, c'est-à-dire nga na routine d'abino,
Si on a parlé de secte, c'est parce que na Kinshasa particulièrement, ville ou la capitale de la République démocratique du Congo où je me trouve, il y a des soi-disant églises de réveil qui ont emboîté le pas à Babylone la Grande, qui ont pris la magie et les ont introduits dans la maison de l'Éternel. Alors comme il n'est pas permis à tout le monde d'accéder dans les conseils secrets de Dieu, afin de ramener des perles de la vérité et dire aux gens, ça ce n'est pas de l'évangile. Alors maintenant nous nous sommes donné comme mission avec l'éclairage du Saint-Esprit. Parce que moi je joue le rôle de sentinelle et de guetteur, en accord avec Ézéchiel chapitre 3, en accord avec Ézéchiel 33, fils de l'homme, voici je te place devant la maison comme sentinelle. Lorsque tu verras le mal venir, tu l'annonceras à mon peuple. Alors maintenant, le travail de guetteur, c'est de ne pas faire l'évangile pour avoir des moyens et de l'argent, réussir et gagner la vie. Non, même au prix de manque, au prix de la pauvreté, au prix à cause d'Angakolia, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Remplis bien ton ministère. L'Éternel qui est dans les ciels, il prendra soin de toi. Tu mets une seule secte, qu'est-ce qu'on a dit par secte? Il faut que les gens sachent qu'il y a un soubassement et des avertissements bibliques. Au Bible Pesaki Bisso. Nous avons le premier, dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Notez 2 Pierre, chapitre 2. Le verset 1 au verset 3, je lis au nom de Jésus. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui introduiront sournoisement de sectes pernicieuses. Et qui, reniant le maître qui les a créés, qui les a rachetés, ils attireront vers eux une ruine subite ou soudaine. Deux, plusieurs les suivront dans leur dérèglement des sectes. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Trois, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de la parole trompeuse et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. À partir de ce verset, l'apôtre Pierre rejoint de Timothée, chapitre 4, le verset 1 au verset 4. Il rejoint de Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Il rejoint Marc ou Luc, chapitre 13. Il rejoint Matthieu, chapitre 24. Voici des avertissements bibliques au sujet de notre temps pour lesquels tu as appelé nous sentinelles à réveiller la mémoire de Dieu et à réveiller la mémoire des peuples de Dieu pour leur dire en quel temps nous sommes. Nous entendons par secte, selon la définition du nouveau dictionnaire biblique, qui complète le commentaire biblique tel que publié une année ou deux ans. Voici ce que la pensée du commentaire biblique dit. C'est quoi d'abord une secte? C'est un ensemble des opinions de ceux qui sont détachés de la vraie foi. C'est un groupe de ceux qui professent cette doctrine divergente. Au moins, il y a combien, hein? 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, ou tout autant. On entend par secte un groupe de dissidents qui n'abordent pas la Bible dans son intégralité, mais qui prennent un morceau des Écritures
Ils en font toute une doctrine. Et généralement, ils ont un père ou une mère fondateur. Placé devant eux, qui joue le rôle d'un gourou, n'ayant pas l'objectif de prêcher l'évangile de la liberté, mais l'évangile de l'asservissement, de l'esclavage, en opinion, en pensée et en mouvement. Donc, c'est-à-dire, ils ont groupé à Batumoko, Bako se focalisé dans la prospérité. Pendant l'évangile, c'est-à-dire Bangote. Bango, c'est seulement la prospérité. Référence. David Oedipo. Lui ne parle que de l'argent. Tous les démons qu'il voit, objectif principal, Bakoya, Osambongo. Il y a l'argent appartient à l'Éternel. Mauvaise interprétation de l'Écriture. L'or représente le salut, c'est symbolique. L'argent représente la rédemption. Alors, quand on dit l'or. Par rapport à quoi? Par rapport à la Bible. Dans le langage biblique. L'or représente le salut et la foi. Votre foi, plus précieuse que de l'or, doit passer par le feu. Le feu ne symbolise pas moto. La Bible est pleine de langages mime prophétiques. Et ça, il faut remonter ce que je appelle. Interprétation intellectuelle. Quand l'Éternel dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. On ne parle pas de l'argent dollar qui est émis par la réserve fédérale des États-Unis d'Amérique. Non, on ne parle pas de francs congolais, mon frère. Les francs congolais, source de maîtrise, c'est la banque centrale. Dans le ciel, il n'y a aucune monnaie. Il n'y a aucune. Voilà pourquoi la Bible dit, pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage? Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà pourquoi au temps de la fin, l'Éternel suscite des personnes qui transportent la criche d'eau. Donc, Amélie Sibango évangile, appelle Sibango compréhension exacte. Pour ne pas qu'il nous restaure le Kébibaki. Parmi lesquels, Bazako exploité vers l'Obiwana. Ça veut dire quoi clairement? Pour nous avoir une secte. L'or représente le salut. L'argent représente la rédemption. Voilà pourquoi Dieu disait, la rédemption m'appartient. Le pouvoir, moi, Dieu, de te racheter de toutes les condamnations que tu as vécues sur la terre. J'ai le pouvoir de te racheter de tous les liens que ta famille a accumulés pendant des générations. Mais non seulement je te rachète sur la terre, j'ai le pouvoir d'inscrire ton nom dans les livres de vie et personne ne peut te l'arracher. Voilà pourquoi il dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. La gloire du second temple sera beaucoup plus que la première. Donc voilà comme ça, ba secte musala na bango yango wana. Ba kamati texte. Ba bimisi yango na contexte yango, ba komisi yango prétexte. Même ceux qui font le kabbalisme, même ceux qui font l'angéologie, même ceux qui font des voyages astrales. Ils ont des versions à s'ordre. Il y en a pas si autant. Que n'aura l'ouvre la gang à verser ou ana. On va penser à comme argument. Il y a qu'un mot à la lumière des saintes écritures. Éclairé par le Saint-Esprit, nous allons ramener le peuple. On va bouger ça. On a coutu. Bien sûr que des photos. Bien la rose en haut. Peut-être dans un vrai détail. N'a noté. Mais pour le canet, tout le monde a maîtrisé. On a collé le cabisso. Tout conforté. Bien au mi-balai. Bible à l'appui. Je t'informe que depuis un moment donné, par la grâce de Dieu, au début, ils sont tentés. Mais à un moment donné, baboui. Soyez moutou, y'a comme ça l'émission de frère Roger Bakabisoura. Tu lui poses la question, non, y'a respectable, tout est dans le plateau. Non! Tite chapitre 1, le verset 9 au verset 10, dit ceci. Il y en a de ceux-là qui s'introduisent dans la maison. Faut attendre. Tant qu'on pinda pour battre le ballon là-bas, mon avril, autant qu'il y a un opposant à la Bible. Parce que tu as commis la bavanti rébellée dans la Katamboka. Chapitre 1, le verset 9 au verset 10. Parce que au moment du problème de ça, on a beaucoup. Il y a eu un moment donné, les gens n'étaient plus focalisés sur les écritures. C'était des fables. Un prédicateur se tient debout, il raconte des choses qui n'engagent que sa vie absolue. Il raconte des choses, il n'interprète rien, il n'explique rien, il ne mélange aucun verset biblique. Alors les gens, par souci de Dieu, bazo yakaka. Mais mon souvenir, c'est pelaté, mais oh, ma communauté, c'est yoka. Secte.
Nous sommes bazar, enfant d'Elohim, lisons ensemble le titre chapitre 1, le verset 9 à 10. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Quand on a dit que c'est un solo, on a dit que c'est un solo. Mais on a dit que c'est un apôtre, dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Parce que tu ne peux pas parler. Moi, je ne parle que de la saine doctrine. Donc, je ne peux pas exhorter les gens si je ne suis pas attaché à la parole telle qu'elle était enseignée. Donc, moi, je n'ai pas de vérité à dire. Je m'attache à la saine doctrine que Paul a prêché. Nanazui. Et on a transmis dans la génération. Baba Kissi. Et de refuter les contradicteurs. Bato Obengi Nawatano. O Babou Yakawan. Soyez baillé. Nalo Bete Bolisson Nangate. Ils ont fait toute forme de manœuvre pour pouvoir contrecarrer la vérité. Or, on ne bloque pas la vérité. Moi, je ne suis qu'un instrument. Tu peux me déranger, mais tu ne bloqueras pas la vérité. Voilà ce que tu as refuté, ma contradicteur. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, surtout parmi nous les chrétiens, quand on dit circoncis, il faut voir les chrétiens. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Il faut démontrer la Torah de la divinité. Il faut tracer l'écriture et les autres. Comme ça, quand on fait un devant. Mais Mouto, pour nous contredire, c'est quand même difficile. Comment te contredire, Mouto? Il faut leur fermer la bouche en démontrant ce qui est écrit. Voilà pourquoi les sectes sont parmi nous. Basé à Belen à l'Imetawa. Maintenant, comment les détecter? Natangi 2, 3, 4 éléments que nous allons démontrer. Primo, toute église qui est attachée à la représentation des logos et des signes, unité fondamentale de la franc-maçonnerie, basan la carte. Je crois que tout ça là qu'on a. Maintenant, vous allez voir ces billets de dollars. Tantôt le baquet. Ça veut dire que l'unité monétaire des dollars transmet un message au monde. Que le monde dit, si on sort au bout, c'est ton problème. Vous verrez dans cette unité monétaire qui est un dollar, il y a exactement des logos représentatifs, Ezawan. Je voulais dire des logos qui sont représentés là. Hein, très, très, très clair, très bien représenté. Le premier logo représentatif est Ezali pyramide. Mais pyramide, on va s'ascender en deux. Une partie est à l'icolo, moko zanase. Mais il y a l'icolo dans la liste sur la kati. L'œil du grand architecte, ou bien l'œil qui voit tout, en anglais on dit the all seeing eyes. Pyramide Ezali, représentation à magie reptilienne égyptienne, telle que retirée, développée par des prêtres jésuites, dont le précurseur qui a inventé ça, il s'appelle Adam Weishaupt. La magie par les codes, les signes, mais les totems des animaux. Aigle de Kawili, aigle royal. Ce sont des éléments de la franc-maçonnerie, ésotérisme. Et ça, c'est un symbole derrière lequel ils cachent des secrets. Seuls les initiés, ils vont dire pasteur à ce sale. Mais le reste, ils vont dire, 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 ils vont dire
tant que Robimawana, tu as la magie par le code des signes pendant les prédications. Si quoi, la magie part des logos des grands fondateurs des églises de réveil qui sont à la base des groupes religieux, tout le monde dans la Kinshasa, ou bah mouvement Zara, soit il y a quoi, il s'abat de belé, soit il y a quoi, il s'abat de belé, soit il s'abat de belé, ça fait partie des animaux, mon frère. Ça fait partie des animaux. Ça y est, il y a un crocodile dans le monde. Il y a bien ta lali, parce que là, on est venu à la Bible, il y a un lion, il y a un lion, là, pasteur, là, il y a mon ennemi. Voilà pourquoi, bien aimé. Voilà pourquoi il est important. Tu as un problème là, Moutouté. Genèse, alors que je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Donc, Nyoka, Nabiso, Dokanarate, Nyoka, Azali, symbole. Nabiso, même Nyoka, il y a une église en Belgique. Je vais mettre, Naro, se permettre, Natanga Kombo. C'est écrit Jérusalem. Mettez là le logo Nabango. Et là, Nyoka, Moko, Alingami, Azumukilana, Kotina, Monoko. Logo à franc-maçonner. Tous les francs-maçons ne peuvent pas se débarrasser des signes. Parce que Nabango, Tango. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que vers le temps de la fin, l'évangile sera prêché pour servir de témoignage. Et nous allons dire que nous avons raison de ce que nous avons dit. Toi tu veux dire quoi? Ces messieurs là, voient ce bébé pour la rola qui s'arabino, Makambu. Toi tu as vu et tu as refusé de suivre. Et aujourd'hui tu dis que tu n'avais pas écouté la parole de la vérité. Loin de moi, je n'étais jamais connu. Il y a sauver quelques-uns. Alors, quelques-uns aussi, il faut que tu aies un peu de temps. Frère, nous ne trouvons pas ça très bien. Bien aimé dans le Seigneur, tu es un terrain. Il y a toujours un terrain. Il était quand même bon. Il y a objectif. De Timothée chapitre 3, le verset 13, je lis. Mais les hommes méchants et les imposteurs, ils avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Tel que complété par le nouveau commentaire biblique, Alobiawa, les dangers qu'il représente, ces pasteurs secteurs, c'est trois raisons. Premièrement, ils se détruisent eux-mêmes. En reniant Christ, vous le verrez dans Matthieu chapitre 10, le verset 23. 2. Ils entraînent d'autres dans le dénigrement du christianisme orthodoxe. Et enfin, ils essaieront, par leurs faux enseignements, de profiter pécuniairement de vrais croyants, c'est-à-dire, baso comme Sabino Babola. Jusqu'à vous demander d'aller vivre à découvert dans la banque, alors que ce sont de lourds ravisseurs, en accord avec Matthieu chapitre 7, le verset 15. Il est temps de descendre. Évangéliste Roger Baka, tout le monde a mis en une minute. Il est au moins, il a tout ça, mais en une minute, Kaka, dans mon qui frère Nabiso congolais, si on peut l'appeler ainsi, bien qu'il combat du côté de la France, mais il est quand même originaire de la République démocratique du Congo. À Salaki vidéo, à Passoli Bible, en une minute seulement, pour tout le monde déjà. À Passoli voilà, Bible, voilà quelque chose qui m'a scandalisé. Nakoi bisayo boye. Basakala kalanza mbete. Si tu n'es pas dans le vrai, le loco kosala tout aux obomba. Le loco kosala tout aux kosabatu. Mais l'Éternel finira par te dévoiler progressivement. Tout le monde a un peu de clip à Moïse. Mais comment quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais va présenter Bissoye comme le modèle de la victoire? Alors que Paul Lazoloba, moi, j'ai combattu. Je n'ai pas encore remporté la couronne. Je cours de manière à ce que je n'ai pas perdu de nanouté. En vertu de quoi? Va présenter celle qui chrétien par le banabango que voici la récompense des chrétiens. Nous, on ne sera pas récompensés sur la terre. À passer la Bible, le frère va nous dire où est-ce qu'il avait pris ce frère-là. Parce que s'il est vrai chrétien, le frère, il devait savoir que pour avoir déchiré un Coran, les musulmans ont traîné des gens en justice.
Et combien plus forte raison une personne qui prétend diriger une église? Azu mutatien nakata clip. Mutana passant du Bible. Au-delà de quoi? Osana, qu'il soit anathème, à Allah la mamabe, mutu azo salabilo kandengwana. Afinga Jésus n'a biso fuck. Fuck you, Jesus. Vous savez ce que fuck you, Jesus veut dire en français? Il emmerde Jésus. Ce n'est pas il emmerde. Ça veut dire beaucoup plus péjoratif que ça. Mais moukolo naye, au moins il y a la TV. Au moins il a présenté mes excuses. Au nom de la foi de tous ceux qui sont scandalisés, de notre Seigneur, oh, papa, il y a 100 ans, il y a 80 ans, il y a 50, 40, 30, ton dîme là. Ba fingi yesu na biso dikolo ya mutu moko moyembi o abimisa ke biso mutu wana foto kanga monoko to lobate tie quand même pese en 10 secondes pese concert zo auta la yuta lo wa ye ona zo tala ne kona biso yuro kale nga zo tala si fo lo bolu bana ye non seulement ye so zo tala nga ne kona nga décadence ya vie na ye bandi si tu ne te réponds pas publiquement tu vas devenir un élément d'exemple que Dieu va utiliser pour que le monde entier sache qu'on ne se moque pas de Dieu. Que tu étais monté. Deux Chroniques chapitre 7, le verset 20-23. Tu tomberas en bas, mon frère. Je te le répète. Au passant, la Bible finit le christianisme. Et les gens passeront à côté de ta vie. Ils te diront, frère, au comiboye ndenganini. Et puis, batouakoyano la valobi. Devant le monde entier, il a dénigré le nom de celui qui est ressuscité le troisième jour. Mais si par compassion, il y a pour toi des anges, intercesseurs, comme nous là. Nous te parlons pendant que personne ne t'a rien dit. Ressaisis-toi. Si Moutabenga kao na ba clip, si Moutotamboula kanaye, au moni na kati na ye ma kambobonzambe zate, nous te disons, il est un Dieu qui nous a guéri de l'hépatite virale du type C, de l'hernie bilatérale et de l'appendicite aiguë, opération légale en zot, on a bi sauté. Et nous avons crié en ces dieux là. Et nous continuerons à croire. Même si toi tu déchires la Bible. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bisous tout Télémi, ton côté sur terrain, c'est-à-dire la deuxième partie. En quelques minutes seulement, l'évangéliste Roger Baka a illustré, c'est-à-dire ce qui a été dit ici, dans votre côté sur terrain. Et laissez-moi vous dire à tout de suite pour la dernière partie. Mesdames, messieurs, tous à déjà né Tobac, tous à aller dans la séance pratique, c'est-à-dire tous à sur le terrain, à tous aller dans la commune de Limité, tous à vers Founa, tous comme dans la première rue, tous dans la première illustration, tous à faire deux illustrations parce que vous voyez que la télé c'est le temps, tous à quand même, tant bien un peu beau discerner, tous à l'évangile, c'est Roger Baka. Tout pour s'en aller, tout le monde a déjà, il y a une église quelque part ici. C'est comme, sans t'arracher la parole, on avait dit la dernière fois. Ce sont des églises qui font la magie par les codes des signes. Je t'avais parlé de la pyramide, je t'ai parlé de l'aigle. Tu reçois qu'à tes potes, on va limiter, les gens ne comprennent pas. Tu reçois qu'on a un logo, mon sou. Tout le monde, au niveau ça, comment on appelle ça? Au sa fixation sur Batumorobo. La preuve, c'est de démontrer maintenant. Pour que nous ne soyons pas sentimentaux. C'est pour que nous ne soyons pas sentimentaux. T'as un problème ici. Bon, je crois qu'il a un problème. Nous allons voir. Bon, il va avancer parce qu'en fait, au monde, il est juste ici qu'on a besoin de son image. Nous avons deux. Au monde, ce n'est pas de la blague. Et que le solo et solo seulement en Congo. Tout le monde a déjà tabernacle. Pourquoi avoir tout le monde pyramide du genre il y a dollars. Tout le monde aigle. Aigle, simbi épée. Mais c'est significatif. On va essayer d'aborder ça prochainement parce que le lot, tout ça, on a posé à tout là qui ça. C'est dit que vous avez dit que vous avez aigle, simbi épée. Mais aigle, au monde, dans le langage, il y a totem. Quand on a un ordinateur, ou bien dans YouTube, ou bien dans Internet, comment. Animaux totem. Ah, à Kinshasa, dans la deuxième république, on a connu ce qu'on appelle aigle de Kawele. Et ça, ordre de mots et magie. Le président, c'est ce coup-là. Ça va nous bien payer. Il y a déjà aigle de Kawele. Bon, maintenant, l'aigle, ici, on a l'aigle, on a la question à 1 dollar tout à l'heure. Là. Mais pourquoi il tient le P? Parce que le logo Nyonso, tu n'as pas de designer, tu n'as pas de concepteur. Le logo Nyonso, il y a une signification dans Yango. Mais au moins la pyramide qui était l'objet de la magie reptilienne égyptienne, au bas nord ça Isis et Osiris. Et comment en États-Unis de Yenin? Yango na zela na kende liboso pour découvrir pyramide.
Et là, on a sur mon logo, on a un bouillé. Ça veut dire en d'autres termes, on a une origine dans un secteur. Son père fondateur n'est pas un secteur. Père fondateur n'est pas un occultisme et franc-maçonnerie. Alors, si on a dit que l'église est belle, ça a opéré dans Kinshasa. L'église est belle, ça a opéré en Kinshasa. Ce sont des églises qui ont des fondateurs, soit américains, soit asiatiques. On a toujours dit qu'on a un gourou. Ah, on a ce sont les gens qui ont bien. Oh, comme on a pas mort, on a découvert que fondateur n'ango il était un franc-maçon. Mais ce objectif n'ango zani. Objectif n'ango zali. Non seulement bala qui s'abattuie pour que les gens soient sauvés, mais objectif n'ango zali rendre les gens esclaves, les exploiter financièrement et les vendre au diable comme des âmes en contrepartie des richesses au baroupe sabango. Parce qu'il y a des lobbies. N'avez-vous pas que dernièrement que Tozana Conseil universel des églises de réveil, il y a 4 branches de la franc-maçonnerie. Et il y a 4 New Age. L'enseignement New Age. Je crois que pour ne pas abuser de votre. Le roi, tu as bien un volant pour te concentrer. Pour la première illustration, tu as la deuxième illustration. Mesdames, messieurs, moi je vous dis à tout de suite. Mesdames, messieurs, tu as dans la commune de Matete. Deuxième illustration en gros, la première illustration dans l'immédiat, ce que l'autre a dit, ah, si quoi, tu as la commune de Matete, l'évangéliste Roger Baka, tu as dit que tu as une illustration presque pareille, tu as une même pyramide, on a du genre, tu as une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, la foi, Ezali, c'est une affaire de l'adhésion de la pensée. Il s'agit de l'âme. C'est la vie. Et donc maintenant la question c'est de savoir pourquoi quelque chose qui incarne la foi des gens, vous y mettez des logos. Et lorsque nous allons dans les origines, il y a un logo, tout trouver que logo n'est pas unité, unité de langage, il y a magie, il y a franc-maçonnerie. Mais quand les gens viennent prier là-bas, est-ce qu'ils viennent prier le Seigneur? Non. On peut demander au fondateur de venir nous dire. Et pourquoi tu as le logo? Pourquoi tu as mis ça? Et aujourd'hui, on a autre, aujourd'hui, on a ça. Donc, porte, il y a entrée. L'accès des lieux du sacerdoce. Pyramide. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà un monde infernal. Donc, bah, la question que pyramide, on a accès, c'est pas tronqué de l'air au-dessus. Porte d'entrée, bah, c'est pyramide. Qu'est-ce qu'il faut dire encore aux gens? À telle enseigne que l'esprit naïe est incapable de réagir, même en termes de la question de vérité. Voilà le fanatisme. Mais il y a un autre qui a une domination occulte, donc va dominer, va prendre possession à l'esprit. Quand on attend, attends l'objet, attends la qui sort. Au lieu, au contraire, est réveillé, attention à yé. Et qu'on réveille sous une canne, n'a pas de bonheur. Même il y a un frère en sous la. Il y a un mot de la il y a de la. Non, n'a pas de Monsanto. N'a pas de Monsanto. N'a pas de Monsanto. N'a pas de Bible. N'a présenté Bino parce que. Poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons dit que nous avons petit à petit, on a se retrouvé à genoux devant Lucifer. On a retourné à Lucifer. Voilà l'illustration. Moi, je suis Roger Baka. En tout cas, tu as dit que la télé, c'est le temps. Surtout que nous sommes déjà pratiquement vers la fin. Tout ce qui est là, c'est le temps. Il ne faut pas méditer. Il ne faut pas faire ce biblique. Il ne faut pas faire le temps. Il ne faut pas faire le temps. Il faut porter le jugement. Il ne faut pas retenir le passage dans une émission. Parce que dans la 4e émission, on a promis à la bande que tu as abordé ce que tu as. Bah point haut, ils appellent sensible de ma casse, c'est-à-dire sur le mariage, sur l'offrande, et puis ministère, il y a moi aussi. Frère Morazan à Belgique, un message, il y a un message qui est venu sur Roger Bakamouni, par rapport au ministère, il y a moi aussi. La prochaine émission, en tout cas, tu vas aborder l'évangéliste Kabouana, et puis on a des annonces. Nous avons dit que nous allons reconnaître le secte par leur prédication, par les signes, par des logos. Il y a la prochaine émission avant de aborder la témoin. Je suis le père fondateur de l'église de Belleuse à Kinshasa. Tout ce qui est cité, c'est cité et que je vais poursuivre. Alors, il y a une raison. Il y a une origine. Une origine, c'est que l'église de Belleuse à Kinshasa. Oh, église de réveil tel. Oh, pasteur tel. Il y a un père spirituel. Il y a un père spirituel. Il y a un temple. Il y a un temple. Il y a un temple. Avec le temps, tu rencontres l'église de Moussousou. Tu rencontres l'image à Kati. Tu as la question de la télévision. Maintenant, ce qu'ils doivent retenir, c'est que le secte ne prêche pas Jésus-Christ. Ils se prêchent eux-mêmes avec l'esprit de cupidité pour un robot de la Batumbo.
ils exploitent mal le message. Bangonde bana ba enseignement ma be pona ko dévier ba tout essentiel. Bangonde bana message ma be pona ko rançonner ba tout ba 10 000 offrandes na ba appel de fonds onéreux. Oh ba tout le ba baillé na porte ba ngasuko pe sa tête. Atabiso to sa musalo. O mana to déplacer na yo. On a besoin de gens qui se disent ah non mais ce travail ici c'est un travail de la vérité. Faut tout bande soutenir musalo frère azo sala. Yete mais musalo po ba tout musu ba bi ka na monde entier. Mais comme il est difficile, il faut que tu aies parce que tellement va vivre, va ventir, il y a et c'était prévisible parce que l'Éternel allait susciter une nouvelle génération. Donc, on va se dire, babu, pour que l'obi, et comme difficile, tu vas le non. Mais on a tellement de problèmes, nous faisons un grand travail pour le salut des hommes, ce n'est pas pour notre bénéfice. Si jamais l'Éternel, Dieu te touche, tu as un autre espace, on a qui ça parce que Internet, tu as un autre monde qui tient ça, c'est impossible. Mais bande de cousins dans Bapambolio, pense à nous et appelle-nous afin que ton véhicule message que ne musica. C'est le temps de la restauration de la vérité. Alors la prochaine fois on va aborder tous ces thèmes. Bah digérer dans ma gambo tout tiers. Moi c'était le moindre de tous. Moi, parce que ce bazou numéro n'anga n'a pas sa bango directement. Mais du moins il peut sa bango peut coordonner à eux et au barreau à eux directement. Très bien. Pour tout contact vous pouvez nous appeler directement si vous avez besoin de nous joindre. Et j'insiste partout ainsi que Monsieur Zoleka. Télécharger, partager, parce que tu as visé la libération des peuples de Dieu. Congo, il y a parole de Dieu, il y a mensonge, il y a un mensonge. 00243 9 98 82 0004. Je reprends 00243 9 98 82 0004. Pour nous, on a WhatsApp, on a une prière intercession chaque semaine, on a un enseignement. Deuxièmement, on a un numéro direct. On a un numéro frère, on a un geste. On a un numéro. On a une émission, on a une chaîne. Beaucoup de gens font comme ça. On a remercié les gens parce que nous sommes à mon côté. Je suis le moindre de tous. Il s'agit du corps de Christ. Je suis le moindre de tous. Peut-être yo. Aux une bonne Yesu pour que te faire avancer l'œuvre de Dieu. 00243 90 79 66 785. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Évangéliste Roger Baka. Mesdames, Messieurs, nous on est pratiquement arrivés à la fin. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui est derrière la caméra, Cédric Bakamana, professeur des élèves. Merci à notre cordon, Timothée Serge Piana. Merci à notre number one, M. Rafi Ngindou. À vous tous que nous avez suivis avec une attention particulière. Nous on est pratiquement arrivés à la fin. Notre numéro est affiché. Remarque, suggestion et soutien à Bino, en tout cas, on en a besoin pour faire évoluer ce travail. Je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro avec un nouvel invité, mais surtout, je garde le même enthousiasme. D'ici là, Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.